Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, je suis en train de chercher les intervenants, surtout les femmes. Je vois déjà la sœur Ritia, je pense. Bonsoir. Bonsoir, Rincia, Ruth, Béa. Oh, si vous êtes disponible, vous pouvez intervenir parce que je cherche des intervenants. Parce que je ne veux pas traiter ces sujets moi-même, quoi. Parce que, comme ça concerne les femmes, bon, si celles qui sont disponibles puissent intervenir par rapport à cela, la soumission de la femme. Quand on dit femme, soyez soumise, ça veut dire quoi? En quoi la femme doit être soumise à son mari? Sous base de quoi? La Bible dit que femmes soyez soumises à vos maris, mais se soumettre en quoi? C'est la grande question. C'est la grande question. La femme doit être soumise en quoi? Oui, soumission, oui, mais se soumettre en quoi? Pour quel but? Voilà quoi. C'est ce que les femmes doivent se poser comme question. Je ne sais pas, Erin, Siarut, Béassi. Vous avez une pensée par rapport à cela, mais si vous êtes libre pour intervenir par rapport à cela. Bonsoir, ma soeur Mungu. Je cherche les intervenants. Si vous êtes d'accord, n'attendez une invitation. Et puis on débat, quoi, on parle interactivement, quoi, on se pose des questions, on partage par rapport à cela. Mais tu peux intervenir, non, Mungu, en live, si tu veux. Ça sera plus vivant, quoi, tu vois. Parce que je ne veux pas l'aborder moi-même, parce que ça concerne les femmes. Bien sûr, ça concerne aussi les hommes, mais d'abord les femmes. Parce qu'on dit que la femme doit être soumise. Doit être soumise en quoi? C'est la question que je me pose. Donc, je cherche les intervenants. Si vous intervenez, vous allez vous rencontrer dans une émission. Ouais. Ah, vraiment, t'as goûté, le maquillage n'a pas tout beau. Ok, pas de problème. Je t'attends alors. Donc, oui, pas de problème, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Oui, on peut se tuer, pas de problème. Oui. Donc, je veux les interventions des femmes d'abord parce que c'est très important. Ok, j'attends. Mon bien bon, c'est long, vraiment. Ok, je prends. Ok, naouzé là. Prends mes naouzé là. 2 minutes. Hey, vraiment. Voilà quoi, donc. Les personnes qui vont nous rejoindre après, dont nous parlons de la soumission de la femme. Femme, soyez soumise, oui. C'est la phrase qui énerve les femmes. Les femmes, soyez soumises. Se soumettre en quoi? La soumission en quoi? Se soumettre à son mari, oui, mais en quoi? C'est ça la question dont plusieurs femmes n'ont pas fait cas par rapport à cela. C'est pour cela les sujets sur la soumission, c'est un grand problème dans les couples même. Donc les femmes sont stressées, sont. Voilà quoi, sont. Donc la phrase que les femmes n'aiment pas, c'est cette phrase-là. Femme, soyez soumise à vos maris. Voilà. Mais on oublie que ce passage-là n'est pas complet parce que on continue, on dit, Marie, aimez vos femmes. Mais ma question est que, pourquoi on commence toujours par la femme? Que la femme soit soumise. Pourquoi pas on dit directement, Marie, aimez vos femmes. Mais on dit, femme, soyez soumise. Voilà la question. J'entends mes intervenantes. Donc, je patiente encore le temps que les autres rejoignent les lives. Donc, nous attendons. La soumission de la femme, la soumission de la femme.
La soumission de la femme, je cherche des intervenantes femmes pour qu'on débatte, on partage sur ces sujets. Parlons-en. La soumission de la femme. Ok, je t'envoie l'invitation alors. Donc, bonsoir mon frère Ange Isoal, bonsoir. Nous parlons de la soumission de la femme. Bonsoir, 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 bonsoir. Hier, je ne pensais quand même élonguité, t'as la Ah, carotte. pas de problème, je comprends, on a compris, pas de problème. Pas de Bonsoir. problème. Bonsoir, ça va? Oui, ça va, ça va. Voilà Ça quoi, va. donc, conversation, dernière conversation, puis en fait, inspirée en fait sur la soumission de la femme. Je D'accord. voulais, en fait, là, partageant mon amour, quoi. Je voulais en fait faire intervenir une femme, voilà, parce que ça vous concerne d'abord et puis nous aussi, tu vois, parce que la soumission de la femme serait soumise, oui, bien sûr, mais la grande question que les femmes ne se posent pas, les maris dans le mariage, la femme doit être soumise en quoi? En quoi? La femme doit être soumise en quoi pour que son mari l'aime? Parce que elle commence par femmes soyez soumises à vos maris et maris aimez vos femmes. Donc on voit que la soumission précède d'abord l'amour de l'homme par rapport à sa femme. Donc pour que, si je comprends bien, pour que l'homme aime sa femme, et cette dernière doit être soumise à son homme. C'est ça en fait. Donc, Voilà. par rapport à ce qu'on disait, si tu me permets, Oui. par rapport à ce qu'on disait hier, par rapport à la soumission, en gros, je pense que on a une vision un peu faussée du mot soumis. Une vision un peu très, très faussée du mot soumis. Parce que quand on prend la société actuelle qui est vraiment misogyne, très misogyne par rapport à la femme, et l'Église qui ne rend pas forcément service, quand ils disent oui, femme, soumets-toi à l'autorité, femme, soumets-toi à ton mari, sans fortement expliquer à la femme qu'est-ce que la soumission, quand on nous donne des versets bibliques à tout va, femme sage, bâtis ta maison. Mais comment bâtir une maison? Voilà. Comment construire une maison quand on... En gros, nous sommes les maçons de la construction de cette maison. Nous sommes les maçons, mais un maçon ne construit pas seul une maison. Voilà. Un maçon ne construit pas seul une maison. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, comme les architectes, celui qui va, Les comment outils, les dirais-je, métaux, tout ça, les ouais. outils, tout ça et tout. Mais qui offre tout ça? Qui offre la vision et la provision? C'est l'âme. Si toi, tu ne me donnes pas ce qu'il faut pour bâtir ta maison, comment tu veux que je bâtisse ta maison correctement? Ce n'est pas possible. Et donc, au jour d'aujourd'hui, la société a déchargé tout sur la femme. En gros, la femme doit bâtir la maison, la femme doit veiller sur le foyer, la femme doit veiller sur tout. Et qu'est-ce qui fait l'homme dans tout ça? Qu'est-ce qui fait l'homme dans tout ça? Mais la société, pardon, je ne te coupe pas, et la société nous a montré en fait une image que l'homme doit d'abord travailler, chercher l'argent pour sa femme, et puis la femme reste à la maison comme elle est la chef de la Non, mais. maison pour s'occuper. C'est Ok, ça en fait. d'accord. Ouais. Ok, ça c'était la société, oui, la société, la C'est ça que société nous sommes de en nos train de parents, dire. mais la société actuelle. Est-ce que tu vois beaucoup de femmes rester à la maison s'occuper du foyer? Non. Non, en fait, j'ai dit par Les... rapport à la conception de la conscience collective, quoi. C'est comme ça, c'est l'homme qui cherche et la femme reste à la maison. Par rapport, j'ai dit ça par rapport à ce que tu as dit, ça. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a en fait une montée de l'émancipation de la femme, quoi. La femme aussi doit travailler, doit avoir les problèmes. Je voulais juste, en fait, parler sur ce thème-là. Exactement, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Même Tu si peux continuer. tu me dis aujourd'hui que les hommes travaillent pour amener de l'argent à la maison, je n'en disconviens pas. Mais là, on parle vraiment. Enfin, je pense que cela ne peut pas dire que c'est parce que tu ramènes de l'argent à la maison que tu es démissionnaire de ce que tu dois apporter en termes de qualité du couple. On ne peut pas tout laisser sur la femme et dire que non, si tout va mal, si ça ne va pas, c'est parce que la femme est incapable. Non, mais qu'est-ce que toi tu me donnes pour que je te sois soumise? Qu'est-ce que toi tu me donnes pour que moi je construise cette maison? Non, tu ne me donnes rien, absolument rien. Et moi, je dois aller chercher le matériel n'importe comment et construire notre foyer. Et si ça ne va pas en disant, et ce sera de ma faute, il est hors de question. La femme doit comprendre qu'est-ce que c'est la soumission.
La femme doit comprendre que c'est la soumission. Alors, Elle doit pardon, comprendre qu'elle a un qui rôle à va la jouer dans faire son foyer. comprendre, en fait? Qui va la faire comprendre, en fait, que c'est la soumission? C'est ça aussi le problème, parce Mais que elle est en il se capacité pose de la question, comprendre. je dois être soumise, mais en quoi? C'est ça la grande question que l'humanité, en fait, les religions n'ont pas pu, en fait, se poser. La femme, en fait, c'est comme une pression, en fait. Femme, soyez soumise, femme, soyez soumise, femme, soyez soumise. Mais la femme se dit, bon, oui, soumission, oui, je me soumets, mais en quoi? Voilà quoi. J'ai renchéri seulement ce que tu es en train de dire là par rapport à cela. La femme doit être Ok. soumise en quoi? Donc, c'est ça. Alors, je ne suis pas. Je précise déjà parce que les gens vont me dire que je suis insoumise. Je ne suis pas insoumise. Déjà, je Non, précise. Je ne suis tu pas émets ton insoumise. idée, c'est vrai, c'est pour Je un ne suis pas partant. insoumise. Je dis tout simplement, une femme doit se soumettre à un homme qui est capable. Voilà. Capable Une en femme quoi? doit se soumettre à un homme qui est capable de lui donner sa vision, une vision, le Exactement. matériel pour construire une maison. C'est là que tu te soumets. Je ne peux pas au jour d'aujourd'hui parce que tu m'as épousée. Parce que, en fait, nous les Africains, si je prends que les Africains, on prend la vision du mariage comme une grâce. Voilà. C'est-à-dire que si un homme vient te demander en mariage, si un homme vient t'épouser, c'est comme s'il te faisait une grâce. Non. Moi aussi, toi aussi, tu as une grâce que j'accepte ta demande. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Donc, si moi j'accepte ta demande, c'est parce que tu as été capable de me donner une vision, une provision. Mais si une fois à la maison, tu me dis, en fait, c'est pas ça. Mais comment veux-tu que je me soumette au néant? Comment veux-tu que je me soumette à un leader qui n'est pas capable de me Voilà, je montrer laisse la l'exemple? question. La Voilà. même, la, même la, 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 la première. Si on doit prendre, par exemple, la Bible, parce que la Bible, Voilà. ma Bible. Si on la Bible, Yesu Moko, elle accepte ses exemples en se soumettant devant ses apôtres et ce que bon ma cool, elle accepte ses exemples. Voilà. C'est ça un vrai leader. Un vrai leader, celui qui montre l'exemple. Toi, tu n'es pas Saint capable de me montrer serviteur l'exemple. d'abord. Le plus grand saint serviteur. Tu n'es pas capable de me montrer, tu n'es pas capable de faire les choses correctement. Et tu m'imposes les choses. Tu m'imposes les choses par la force. Tu es violent, tu es alcoolique, mais tu veux que, au nom de la soumission, que je me soumette à toi. Il est hors de question. Il est hors Voilà. de question. C'est Je ça me que les soumets femmes à doivent une vision. savoir, en fait. Voilà. Je me soumets à quelqu'un qui me donne l'exemple, qui me donne la provision, qui me donne le respect, l'amour. C'est automatique, ça va de soi. C'est pas tu me fais Exactement. du mal et moi je me soumets comme ça. Et non, ça marche pas comme ça. Donc, en fait, bon, si on suit la logique, en fait, parce que quand on dit femme soit soumise et puis mari, est-ce que la phrase là que tu vois là a un sens? Parce qu'on commence d'abord par la soumission et puis après on dit que mon mari aimait vos femmes. Ou bien on doit dire d'abord que les maris doivent aimer d'abord leurs femmes, après les femmes doivent être soumises, c'est ça, non? L'amour de l'homme Tu sais, doit primer d'abord. déjà la Bible, on sait que la Bible a été modifiée. La Bible a été modifiée je ne sais combien de fois. Donc, logiquement parlant, si on doit parler de logique, Marie doit aimer sa femme avant que sa femme soit soumise. Voilà. Donc, il C'est doit, parce que d'accord, quand on la parle d'abord soumission, de l'amour, on voit la vision déjà, la mission déjà que l'homme exactement. a. Voilà. Exactement. Parce que la soumission, c'est le résultat de quelque chose. La soumission, c'est le résultat du traitement que la femme a que l'homme a envers sa femme. Tu Voilà. me traites bien, tu n'as même pas besoin de me demander fais ceci, fais cela. Tu sais tellement que tu es bien dans ton foyer, tu vas le faire directement. Tu le fais directement parce que tu sais que ton mari te traite bien, pourquoi tu ne vas pas lui rendre? C'est des personnes qui sont complètement insensées, des hommes qui sont complètement démissionnaires et insensés qui jouent avec ce mot soumission. Et vu que la société est tellement olé, olé, la société n'est pas rangée. La société est au vent d'activité et l'unique au yéba, profondeur ma communauté. Tellement Voilà. les églises jouent à tort et à travers avec Ouais, ce trop mot. bien. Les hommes qui sont incapables jouent à tort et à Voilà, ils ne se travers avec posent ce pas mot, les alors bonnes que c'est quelque chose questions. de simple. Voilà. Exactement, oui, je pose vraiment ton idée. Exactement, c'est ça. Donc, si je te comprends bien, en fait, l'amour de l'homme, quand on dit mari, aimez vos femmes, en fait, dans cet amour-là, nous voyons la mission, la vision, dans les outils dont l'homme doit Exactement. octroyer à la femme pour que la femme soit soumise. En fait, quand on dit Exact. déjà Bâtisse soumission, ta nous voyons, maison, exactement. voilà, la femme est soumise, en fait, sous la mission de quelque chose, donc sous la vision de quelque chose. Exactement. Donc, elle est soumise à une Exactement. vision, à une, voilà. Il y a même quelqu'un a dit que si le mariage échoue, en fait, c'est la faute de l'homme, en fait. Quel que soit le problème, en fait. Parce Bah, que c'est l'homme, en fait, qui est le moi je suis capitaine, d'accord. qui est le visionnaire, en fait. Oui. C'est l'homme d'abord qui Parce que doit. comme on Voilà. dit, comme la Bible dit, l'homme est le chef
de la femme. Mmh. Et le chef, si on doit parler d'entreprise ou quoi que ce soit, celui qui dirige, comme on dit, la Voilà. femme bâtit, mais qui dirige? Un chef dirige. C'est un chef qui est au bord. C'est un chef, Voilà. il y a train. Il y a Mmh. un exemple. C'est ce que Yo Nagatanda exemple. Yo Nagatanda démissionnaire. Regardez ce que font Bunda. Non. On a dit qu'il faut porter notre croix, mais c'est à C'est ce que deux. la société nous présente, c'est ça, Il c'est est hors de malheureux. Surtout question. en On porte la Afrique. croix à deux. Voilà, surtout en Afrique, vraiment, les femmes sont partout, en fait. Je me souviens à une image avec une femme avec beaucoup de bras, à Simimoana à Koto, à Kebilanga, à Koto, à Salibokoto, et les hommes sont là que pour faire les bébés. Voilà, comme on dit que distracieuse à la moitié, voilà, la femme est devenue comme une chose. Voilà, c'est malheureux. L'éducation, la vie, parce qu'on a été éduqués comme ça, à ne pas savoir, entre autres, qui nous sommes réellement. C'est-à-dire, Yomoko en tant que moi, c'est Ozanani. Voilà. Yomoko en tant que moi, c'est Ozanani. Biso rôle n'a biso ce qui total avec l'éducation de nos parents, rôle n'a biso tant que moi, c'est Eza. Ce qui me bat la yo, soit yo, kouba la yo, Eza Ngolo. Nous sommes basse yo Ngolo, bah kouba la yo. Donc, entre-temps, c'est comme si on est conditionné à être On est conditionné reconnaissant. à se marier aussi. Voilà, c'est un ciseau aussi. Voilà, Le on est problème de ce conditionné à être ciseau, c'est le reconnaissante mariage. Voilà. par ce mariage. On est conditionné à tout accepter parce que à Balio. Non. Surtout quand on nous parle, surtout Remiez-vous. quand la parole, surtout quand tu atteins un âge, donc tu dois te marier obligatoirement avant 30 ans. C'est ça aussi le problème avec nos sociétés, surtout les Africains, comme tu dis là, ce qu'au Bali, c'est la grâce. Mais non, ce n'est pas la grâce en fait, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait C'est la normal, grâce, mais comme à deux. C'est la grâce, mais à hein? deux. Il a Voilà, la grâce, j'ai la voilà. grâce. Exactement, c'est ça. Donc, nous sommes dans une société où, voilà quoi, Oyo. On a conditionné la femme à voilà quoi à faire des choses au quoi. On l'oblige à faire des choses. Avant 30 ans, il faut se marier obligatoirement. Donc en général, c'est ça. Donc si tu te maries pas au tout là, aux moi célibat. Moi je me dis, mais c'est comme tu l'as dit exactement, c'est ça. C'est notre société, c'est notre culture en fait. Mais chez les blancs, il n'y en a pas. Même pas chez les Blancs, mais dans d'autres sociétés, civilisations, il n'y a pas. Oh, des mots de célibat, oh, comme ça. Je ne sais pas, quoi. C'est un truc C'est de ouf, l'Église. quoi. Donc, C'est l'Église. voilà. On a grandi avec C'est ça l'Église. restait en nous, tout ça, tout ça, tout ça. Or, c'est tout à fait normal. Quand un Blanc, par exemple, ou bien, voilà, quelqu'un d'autre, c'est Marie, culture Moussous, c'est tout à fait normal, en fait. Nous, c'est, voilà, quoi. C'est, voilà, quoi. Et puis, une L'Église, la femme, c'est pression de pas l'Église, n'importe la pression de la religion. quoi. Voilà. La pression de la religion qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ce que vous baladez, c'est parce que au sein des mois célibat. Mais on tombe sur quoi l'ingané peut balader parce qu'il dit que non. Naza, je suis, c'est pas de l'orgueil parce que se connaître en soi, c'est pas quelque chose d'orgueilleux. Qu'on ne voit que Non. Naza, C'est être j'ai conscient besoin de de soi. m'accomplir en tant que personne. C'est pas de l'orgueil. C'est Au jour d'aujourd'hui, une connaître personne qui soi-même, prend c'est son être temps. conscient de soi d'abord. C'est être conscient de Exactement. soi. La charité, bien au-delà, commence par soi, mais parce que Personne-même. quand tu te connais, ce que tu vas donner aux autres, que tu donnes d'abord à toi-même. Comme on dit, aime l'autre comme tu t'aimes toi-même. Exactement, c'est ça. Donc, tu donnes ce que tu as. On ne donne que ce qu'on a. Exactement. Oui. Non, je vais répondre à quelqu'un. Il dit, c'est vos traditions en Afrique avant 30 ans. Non, c'est pas ça. Mais en général, les femmes sont conditionnées avant À l'âge se de 30 ans. Elles marier. sont pressées par leur famille. Ils doivent se marier, quoi. Donc, c'est devenu une mode, quoi. Donc, avant 30 ans, donc voilà qu'il faut se marier. Il faut se marier toujours. Donc, comme si voilà, c'est une parole d'évangile. OK, chacun est libre, en fait. Chacun est libre. Je me souviens même dans nos sociétés africaines, dans des villages, tout ça, tout ça. Avant de se marier ou bien avant d'arriver à un âge, on doit t'initier en fait. Malheureusement, dans nos vies, il n'y en a pas. Mais ça a des valeurs dans le village, quoi. Avant bas, là, il faut pas initier. On est pas chez les Juifs. Si tu arrives à 12 ans, 13 ans pour les femmes et les filles et les garçons, on te passe dans un rituel moroboy, quoi. Donc tu deviens adulte. Tu vois, tu deviens adulte. C'est comme ça aussi dans notre société africaine, aussi dans la culture et tout. Arriver à un certain âge, on t'initie. Avant de se marier, on t'initie. Voilà qu'on t'apprend les choses, voilà, mais malheureusement, avec nos sociétés, comme nous les Africains, nous sommes beaucoup copiés, on copie tout de l'Occident. Ok, tu veux éviter que leurs traditions, leur façon de voir, ça ne correspond pas avec nos cultures, nos langues. Voilà quoi, c'est ça aussi.
C'est décalage aussi, toujours copier, 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 yango toujours. Voilà, quoi. Yango, moi, le mariage, la somme, il aussi, maintenant, on se marie, babéni, vino en église, mais voilà, quoi. Divorce, tout ça. Attends, divorce, mais beaucoup souffrent, en fait. Souffre, suffoque C'est et grave, suffoque dans les c'est mariages parce que pour la famille, pour la église, donc tu bannis le boussin d'âme, on peut pas. Et voilà. C'est ça le problème. Donc, comme tu as dit vraiment, j'ai aimé ce que tu as dit, en fait, on ne se pose pas de bonnes questions. Des termes aussi simples comme la soumission, voilà quoi. Beaucoup de femmes, oui, je suis soumise, mais en quoi? C'est ça. Donc, j'ai aimé vraiment ce que tu as dit là, je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Donc, on doit se poser de bonnes questions. Ne pas donner foi à j'espère, toute chose et j'espère seulement, pas qu'on va oui, venir mais m'insulter est-ce en que me tu disant oui te que Oui. Tu dis? au final, t'es heureux. J'incite mes soeurs à devenir insoumises. Pas du Non, c'est tout. pas ça. Tu aimais ton idée, c'est très important, c'est La soumission, intéressant. c'est quelque chose de bien. La soumission, c'est quelque chose de bien quand elle est bien ordonnée, quand elle est Voilà. bien structurée. On C'est se soumet exactement pas à ça. n'importe quoi. On se soumet pas à Voilà. n'importe quoi. Mais malheureusement, beaucoup de femmes se soumettent à n'importe quoi, en fait, parce qu'ils ne savent pas, en fait, en quoi. Voilà quoi. Ils se demandent, voilà quoi, l'homme, voilà tout cela. Parce que la En femme, bas, la dans zombie, sa d'ailleurs. nature, a Ah tendance non. toujours à attendre de ce que l'homme doit lui donner, en fait. Parce que c'est ça le principe femelle. Donc, la femelle, en fait, c'est comme une vase, en fait. Il est comment elle attend, en fait, d'être, comment dire, ensemencée ou bien d'être réceptive à quelque chose. Voilà pourquoi les femmes, quand une femme a une question ou bien un problème à émettre, elle reste en silence, en fait. Donc, elle attend que son homme agisse, en fait. Tu vois? Mais si l'homme ne sait rien, voilà, ça, la femme sera stressée, la femme sera. Voilà quoi. Je m'attends à quoi tout ça, tout ça. Vous êtes quelqu'un, vous autres, mais. Mouba a la vision, la femme ne peut pas donner aussi la vision. Donc Rose c'est en a une aidé, mais elle ne vision. peut pas donner. En gros, on doit être dans cette société, on doit être femme, ce qui n'est pas forcément facile parce que c'est Voilà. une société qui nous avantage pas forcément. Misogyne, tout ça, tout ça. C'est la On doit réalité. être mère. Le poids d'une mère, c'est pas forcément évident non plus. On doit être maçon, donc Voilà. au bâtir foyer, visionnaire. Et en plus, faut te porter sous la croix de notre couple. Mais attendez, Exactement. et quand on Quelqu'un même s'essouffle, a dit on qu'une n'a femme, pas le c'est droit une d'être victime en fatigué. soi. Voilà. Et quand on est fatigué, on n'a pas le droit à la fatigue. On n'a pas le droit de démissionner. On n'a pas le droit de dire, j'arrive pas. On doit continuer parce que c'est le Seigneur. Donc, devant le Seigneur, on a dit oui, il faut continuer. Sonia famille, il faut continuer. Il faut prendre sur soi parce que voilà, il faut. Non. Non, non, non. Oui, mais Non. comment dire, je dirais pas malheureusement, bien heureusement, mais la femme de nature a cette tendance-là de supporter. Mais je n'encourage pas ça, mais c'est de trop, en fait. Parce que la femme, C'est en fait, la femme, naturel. c'est comme la nature, c'est comme la création. Ma belle, les ba On cataclysme, arrive. tout ça. La femme, c'est comme, c'est pour ça qu'on dit terre-mère. Donc, la femme, vous êtes là pour supporter. On Je arrive. n'encourage pas, comment dire, les pressions, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Mais la femme a cette nature-là de supporter, de supporter. Mais arriver à un moment, c'est de trop, quoi. Donc, ça ne peut pas aller, quoi. Tu vois. Donc, La il faut patience a des chercher, en fait, limites, hein. l'équilibre. Mais malheureusement, les hommes, tellement nous sommes misogynes, nous sommes toujours là, oui, il faut dominer, dominer, dominer. Voilà maintenant pourquoi il y a les déséquilibres. Voilà. Donc, les femmes sont devenues des objets Exactement. de guerre, tout ça, avec les viols. Tout ça. Donc, il y a des déséquilibres dans notre société, dans l'humanité, en fait. Donc, c'est ça. Donc, il faut que les Grave. hommes, en fait, fassent un effort vraiment considérable pour qu'ils remettent, en fait, cet équilibre-là, en aidant, en fait, s'il faut, que les femmes doivent se connaître, doivent se savoir pour faire cette unité-là, en fait, comme c'était avant. Vous voyez, donc, il y a vraiment Bien un sûr. déséquilibre vraiment très, très, très important dans notre Bien société sûr. par rapport à cela. Non, mais Donc, là, merci vraiment comme je beaucoup, disais, merci. Oui, je t'écoute. il n'y a pas de souci ailleurs. Non, mais la femme, elle mérite beaucoup de respect. Dans le but est que mes belles, elle mérite à respecter, mais Non, je comprends, je comprends. 9 mois, ils ont pas si. Bah, oh, bah, Voilà. beau, tu comment c'est Exactement, je difficile, 9 mois. comprends. C'est quelque chose, c'est sacré. Une femme est sacrée. Et si tu n'en prends pas soin, c'est comme Ninga ou Azaka, pas besoin de soin. Exactement, c'est ça, ouais. Pas de problème, merci beaucoup vraiment pour ton intervention. Très De rien, enrichissant. Yaya.
Donc, je pense que la C'est comment vidéo pour va rester couper? sur mon mur et puis les gens vont regarder même en différé. Il n'y a pas de Pardon, tu as souci. dit? Comment Merci, je fais pour bye bye, couper? bonne nuit. À tout. Attendez, non. Kokata Zerana, tenga mon okata, c'est bon. À tout, bye Ok, bye. d'accord. Bye. Voilà, donc là, c'était l'intervention de notre sœur Mung, en fait. Elle a parlé, vous. Femme, la grande question reste en quoi la femme doit être soumise. Voilà, donc, la femme doit être soumise à une mission, à une vision de ce homme. Parce que, comme elle a si bien dit, notre sœur Mung, dont la femme, comme le prophète dit, et la femme bâtit sa maison. Donc, la femme doit bâtir la maison. Il doit, pour bâtir une maison, il faut avoir les outils, les matériaux, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, la personne qui donne cela à la femme, c'est l'homme, en fait, le visionnaire, le capitaine. Capitaine, donc, il est là pour maintenir le cap, en fait, pour donner la vision. Voyez, donc, sans lui, la femme ne peut pas bâtir, ne peut pas aussi être soumise. Parce que être soumise à une vision, c'est supporter cette vision-là. C'est l'amener, c'est le propulser plus haut, en fait. C'est pour ça que la Bible dira que. Et quand Adam s'est endormi, la Bible dit que Dieu a dit, comment? Faisons-lui en fait une aide semblable. L'aide en fait, en hébreu, c'est Ezer, qui a la racine comme force. C'est pour ça que je dis toujours que la femme est la force et la faiblesse de l'homme. C'est pour cela qu'on dit que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Donc la femme n'est pas inférieure à l'homme, elle est juste complémentaire, elle est une aide qui est semblable à l'homme, mais la différence se situe par rapport au rôle. Vous voyez? Exactement, c'est ça. Donc, quand le mariage échoue, c'est la faute de l'homme. Exactement, c'est ça. La femme se soumet à la vision, sous mission, elle est sous la mission de quelque chose. Donc, la femme doit être soumise à une mission. C'est la grande question, en fait, que l'humanité, en fait, même les religions n'ont pas, comment, n'ont pas accepté, n'ont pas être comment je peux le dire à l'expliquer en fait pourquoi la femme doit être soumise. Femme serait soumise, oui, bien sûr, mais se soumettre en quoi? Je veux me soumettre en quoi? C'est ça, on se soumet à quelque chose et puis être soumise, comme je l'ai dit, la femme est l'aide semblable de l'homme. La femme est l'aide semblable de l'homme. On ne dit pas aide inférieure, non, parce que la femme et l'homme sont égalitaires en fait, sont complémentaires. La différence se situe par rapport au rôle. Vous voyez? Parce que même les principes mâles, l'homme qui est caractérisé par les principes mâles, physiquement comme ça, il est là pour se souvenir, pour porter attention à la femme. Et puis la femme, comme je l'ai dit, est la vase, en fait. C'est un réceptacle. Elle est là pour recevoir la semence, en fait, de l'homme. Vous voyez? Donc c'est pour cela que vous verrez quand Adam s'est réveillé, il a dit. Et voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Donc, c'est lui, en fait, le principe mâle qui s'est souvenu en premier, en fait. Mais Ève, en face de lui, la femme en face de lui, c'est une aide semblable, en fait, par rapport à lui. Elle est là pour porter, en fait, l'aide, être soumise, en fait, de la vision d'Adam, donc de l'homme, pour faire un, en fait, pour faire, comme on dit, l'union fait la force. Donc, la femme étant la force de l'homme. Si elle est bien, comment, bien remplie dans son rôle, et puis faiblesse aussi de l'homme aussi. Donc, comme on dit, derrière un grand homme, il y a une grande femme, on peut dire aussi, derrière un homme faible, il y a aussi une femme faible. Parce que la femme sera faible. Pourquoi? Parce que l'homme et les visionnaires ne montrent pas, ne maintiennent pas les caps, ne montrent pas la direction à suivre pour que la femme soit soumise à cette vision. Et puis voilà. Vous voyez? Donc, s'il y a d'autres intervenants par rapport à cela, je vais toutefois lancer des invitations. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui peuvent intervenir. Donc, voilà en fait par rapport à la soumission de la femme. Donc, y a-t-il des gens qui veulent intervenir? Quelqu'un a dit, c'est ni une force ni une faiblesse. La femme a accès à ce que l'homme ne peut pas voir. Mais seul
lui peut voir ou écouter pour aller chercher les étoiles. Exactement, c'est ça, parce que la femme est plus intuitive que l'homme aussi. Donc la femme est plus subtile que l'homme, parce que la femme est plus spirituelle, je dirais même par rapport à l'homme, parce que la femme qui matérialise les principes femelles, les familiers de l'être en fait, de l'Adam en fait, de nous, donc de l'Adam en fait, de l'humanité, c'est la divinité en fait, c'est les parties cachées de l'humanité en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'être humain, moi ou bien un homme ou bien une femme, ont le principe à la fois mâle et femelle. Donc nous sommes doubles en fait, étant esprit, âme, nous sommes doubles, nous sommes mâles, nous sommes aussi femelles. Vous voyez, dans notre esprit en fait, c'est pour ça que nous sommes aussi des créateurs. Parce que pour créer en pensée, en acte, tout ça, ça demande des principes. Le mâle et la femelle, c'est comme ça partout. Vous voyez, je pousse vraiment votre idée en Jésus, comme tu dis, la femme est le secret. C'est lui qui est, voilà quoi, c'est lui qui est le secret, qui est la force en fait de l'humanité. Sans la femme, l'homme ne peut pas être accompli en fait. Donc le but est de revenir à l'un là, donc à l'unité là. Vous voyez? Donc c'est ça, je cherche aussi d'autres personnes pour intervenir s'il y en a, pour lancer les directs. Donc voilà, la soumission, en fait, je ne sais pas quoi dire encore par rapport à la soumission. Donc notre sœur Mungwa a tout dit en fait. C'était vraiment un partage très enrichissant. Je pense que la vidéo va rester sur mon mur et pour les personnes qui veulent le voir, ils verront quoi. Donc voilà quoi. La femme doit connaître sa place. La femme doit savoir que elle est une déesse. Elle est le secret de l'homme. Elle est la force de l'homme. Comme on dit toujours, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, toute l'humanité. Donc la femme est le gardien du mystère en fait. Elle est l'enseignante. Donc c'est la femme qui éduque, c'est la femme qui prend soin, c'est la femme qui donne vie. Donc la femme doit se connaître vraiment. C'est très important, ça sera aussi avantageux pour les hommes parce que le but c'est de maintenir l'équilibre. Parce que la société actuellement, selon ma pensée, en fait, il y a un déséquilibre vraiment total. Par rapport à cela, il y a vraiment un déséquilibre total. Parce que c'est. Voilà quoi, voilà, c'est pour ça que vous verrez les mouvements féministes, voilà, la parité, l'émancipation de la femme, voilà. La femme se cherche toujours, quoi. Vous voyez? Donc, que les hommes cessent à considérer la femme comme inférieure. Non. La femme est complémentaire. La femme est complémentaire à l'homme. La différence se situe par rapport au rôle. L'homme est le chef de la femme par rapport à sa vision, à sa mission, qui donne, qui maintient les caps, en fait, qui donne les directives. Et puis, la femme est là pour lui seconder. Lui être soumise, comme on a défini la soumission, soumission sous la mission de quelque chose, sous la vision de quelque chose que l'homme donne en fait. Donc par là, par la soumission, comme on dit, une femme sage bâtit sa maison, elle bâtira la maison si l'homme, si seulement si l'homme lui donne les outils, les matériaux considérables pour bâtir la maison, pour bâtir la vision dont l'homme s'est fixé. Pour faire route ensemble. C'est pour cela qu'on dit les mariages. Les mariages, c'est l'alliance, en fait. Je dirais même l'union. L'union, c'est plus fort, en fait. C'est plus profond. Vous pouvez être marié, mais vous n'êtes pas unis. C'est ça aussi le grand problème aussi. Parce que l'unité n'est pas seulement corporelle, charnelle, comme ça. C'est spirituel aussi. Vous vous unissez spirituellement, mentalement, physiquement aussi. Vous pouvez vous marier à bague, à la mer, tout ça, voilà, oui, mais vous n'êtes pas unis intérieurement, spirituellement. Vous voyez? Donc, Adam et Ève étaient unis. Le mariage, en fait, est une institution humaine, en fait. Mais l'union est une institution divine. Vous voyez? Donc, en fait, c'est ça, en fait, voilà. Et puis, quand les mariages échouent, c'est la faute de l'homme. J'aimais vraiment ce que. Monsieur Bourmbaï a dit, quand le mariage échoue, c'est la faute de l'homme. Parce que c'est l'homme qui donne la vision. C'est l'homme qui donne la vision. C'est le capitaine, en fait, c'est le leader, en fait. Vous verrez même dans un match de football, en fait, quand une équipe perd, c'est la faute au coach. Voilà, exemple, même l'équipe de la RDC, Léopard. Quand elle perd, en fait, la faute s'est incombée à Florent Ibenge, au coach, pas au joueur. Parce que c'est le coach qui donne les directives, c'est le coach qui est le leader, le mentor, le chef en fait.
Et puis, le caractère, l'un des caractères principaux d'un chef, c'est être serviteur des gens qui dirigent. C'est très important. Donc, l'homme étant le chef, le leader de la famille, doit être serviteur. Donc, Jésus-Christ a dit que celui qui est grand doit être le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Donc, un exemple, un exemple qui est le chef, un président ou bien quelqu'un qui chapeaute tout, c'est le service en fait. Il doit servir en fait. Quand tu sers, tu montres la grandeur, que tu es grand. C'est ce que Jésus-Christ aussi a fait. Lui était le maître et tout ça, mais il a servi. Il a servi jusqu'à la fin. C'est très important aussi, que les hommes le sachent aussi. Vous voyez. Donc voilà, en fait, je pense que j'ai tout dit, bon, tout dit par rapport à aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas. C'est un sujet vraiment très vaste. Hein. Donc, on a parlé sur la soumission de la femme. Voilà. La grande question était, et en quoi la femme doit être soumise? En quoi la femme doit être soumise? Je pense que l'intervention de notre sœur Mungu était vraiment très enrichissante. Donc la vidéo va rester sur mon mur. Ceux qui n'ont pas regardé vont voir même en différé. Donc la femme doit être soumise par rapport à une vision, par rapport à une mission de l'homme. Elle doit bâtir la maison par rapport aux outils, aux matériaux que l'homme lui fournit. C'est très important. Comme je l'ai dit, l'homme étant le principe, la manifestation du principe mâle, il est là pour se souvenir, pour porter attention, pour porter regard à la femme qui est comme une vase, un réceptacle. Donc, la manifestation de la féminité. La féminité, c'est comme une vase. Il est là pour recevoir la semence de l'homme. Donc, c'est à l'homme de donner les matériaux, les outils pour que la femme soit soumise par rapport à cela. Sans cela, sans l'apport de l'homme à la femme ne sera pas soumise. Donc la femme c'est pour cela les femmes sont silencieuses en fait. Ils attendent en fait la réaction, l'action de l'homme. C'est comme ça, c'est naturel en fait. Vous voyez, c'est comme la femme est comme une terre, c'est comme la terre et puis l'homme est comme la pluie. Donc, l'action de la pluie, quand la pluie tombe sur terre, c'est comme, que je dirais même, c'est comme les rapports sexuels, en fait. C'est pas un sujet tabou, c'est ça, en fait, pour expliquer les principes. Donc, la pluie, c'est mâle, c'est comme l'homme, et puis la terre est comme la femelle, elle reçoit, en fait. C'est exactement cela que devait fonctionner, en fait, les choses. C'est pour cela qu'on dit terre-mère. Donc, la pluie est là pour ensemencer la terre, et puis voilà. C'est pour cela la femme reste toujours en silence pour attendre l'attention, les directives en fait de l'homme. Vous voyez. Donc merci beaucoup. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc régulièrement nous allons parler des sujets, divers sujets par rapport à cela. Aujourd'hui nous avions parlé sur la soumission de la femme. Et puis demain ou bien d'autres jours, nous allons parler d'autres sujets, toujours des sociétés. Et puis voilà, et puis je chercherai toujours les intervenants parce que je ne veux pas faire des lives que je suis en train de monologuer. Non, je veux des interventions de personnes qui sont intéressées, qui sont disponibles pour nous faire réfléchir, voilà, pour se poser des questions. Donc, une chose à retenir, surtout aux femmes, quand on vous dit d'être soumise, il faut se poser la question, se soumettre à quoi? C'est soumettre à une vision. Donc, quand on dit la soumission, c'est sous la mission de quelque chose. On se soumet à quelque chose. À quelque chose de palpable, en fait. On ne se soumet pas, comment? Vaguement comme ça, non. Il faut se soumettre à quelque chose pour bâtir la maison dont la Bible dit qu'une sage-femme bâtit sa maison. Voilà. Donc, on bâtit par rapport aux matériaux que les visionnaires que l'homme te doit. Pour se soumettre à sa vision, et puis pour bâtir la maison, et puis pour faire route ensemble, vous deux, dans l'union, ou bien dans le mariage. Donc, mon frère Yannick Darroze est venu très bien, il a dit très bien. Je ne sais pas si tu as un mot à dire par rapport à cela, je peux t'envoyer l'invitation. Si tu es disponible, hein, ce n'est pas obligé en fait, mais si tu es disponible par rapport à cela, je suis presque à la fin. Si tu as quelque chose à ajouter à ce que j'ai dit, je peux toutefois t'envoyer l'invitation. Je vais essayer. Si tu n'acceptes pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave.
Bonsoir, Oh, bonsoir, bonsoir. voilà, enfin, je suis content. Enfin, ça va, maman, comment allez-vous? oui, ça va bien, Oui, ça ça va va, bien, ça va, ça va. Mais je ne sais pas si on m'entend ici, comme je oui, suis moi je dehors. t'écoute, on t'entend, Oui, parle, moi moi je je t'écoute, t'entends. on t'entend, parle. Oui, donc moi je vais juste rajouter à un petit truc là. C'est quoi? Moi, dans sa soumission, souvent on prend ça, le femme. Il prend beaucoup ça dans le sens négatif. Pourquoi je dis ça? Quand on dit à la femme d'être soumise au mari, d'aimer vos femmes, je pense que Dieu sait que la femme avait un problème de la soumission, là, d'être soumission de l'homme. C'est ce que tu viens de dire. C'est pour ça qu'on te dit, comme toi tu as un problème, alors accepte-toi d'être, tu vois, d'être dans soumission là. Comme aussi Dieu sait que l'homme a un problème d'aimer, tu vois, d'être fidèle, d'aimer. Alors toi, Marie, aimez vos femmes. Aime ta femme. Tu vois? Donc l'homme doit aimer, tu dois aimer, avoir cet amour que tu as, toi, de le partager avec ta femme, cet amour. Tu vois? Alors, l'amour ne va pas t'envoyer aller voir ailleurs. L'amour ne te donne pas, en fait, la porte d'aller De faire n'importe faire du quoi pour mal de à faire quelqu'un. n'importe quoi pour Tu les vois? personnes. Tu vois? Plus tu aimes, plus tu as l'amour, plus tu vas rester fidèle dans l'amour. Ouais. Donc, comme toi, l'homme, tu as ce problème de aimer, alors aime ta femme. Et surtout encore ce que tu viens de souligner, être sous mission, c'est-à-dire sous mission. Tu vois? Alors, la femme, quand tu. Souvent, nous, quand on te fait, voilà, tu es belle, oui, je t'aime, oui, je veux que tu sois la femme de ma vie, machin, tout ça. Quand toi, la femme, tu vas accepter cette demande-là. Mais tu acceptes quelle mission? Voilà. C'est Voilà. la grande C'est question. ça la grande question. Tu acceptes quelle mission? Tu veux la mission, la beauté et le physique, le corps, tout ça, le sexe, tout ça, la vie. C'est pas ça la mission. Donc, si tu dois accepter cette mission-là, alors toi aussi tu as une mission à accomplir dans cette mission-là. Exactement. Voilà. Maintenant, Exactement. toi, la femme, voilà pour ça que tu vois des dégâts. Tu vois, il n'y a pas la mission déjà dès le départ, la base. Tu ne sais pas à quoi tu t'engages, tu ne sais pas à quoi tu acceptes. C'est juste parce que tu vois, parce que l'homme il travaille, parce qu'il a chez lui. Tu vois, tu regardes tous ces besoins-là que tu as, bout, tu t'engages. Après, quand tu es dedans, tu remarques que il y a un problème ici quand même. Qu'est-ce que tu fais ici avec cet homme? Et tu vois que vous êtes incompatibles après. Tu vois? Et tu vois que, après, tu viens de remarquer que cette mission-là, ce n'est pas la mission que toi, tu devais faire dans cette mission-là. Là, pouf, ça pose un problème. Pas de séparation. Et ça commence. Non, tu es aventurier. Tu n'es pas l'homme de ma vie. Allez pas, divorce. Exactement, oui. Ça Exactement, m'a coupé oui. la parole en fait. C'est pour Ça ce que tu as dit. En fait, ce que j'ai retenu, en fait, c'est les fait, problèmes de c'est le connaissance de problème de soi. connaissance de soi. Oui, C'est ça. Parce c'est que j'ai ça. aussi ce que Parce tu que as j'ai dit. remarqué ce que tu as On ne dit. peut pas se On ne limiter peut aux pas se limiter aux aspects que l'homme aspects que travaille, l'homme travaille. c'est au-delà de tout C'est ça. au-delà de tout ça. C'est au-delà. C'est C'est au-delà. au-delà. C'est au-delà. Donc C'est au-delà. on revient Donc toujours on revient toujours à à la la connaissance connaissance de de soi. soi. Que dois-je faire? Que Qu'est-ce que dois-je dois-je faire? apporter Qu'est-ce à que la dois-je personne? apporter à la Qu'est-ce que personne? dois-je faire? Que dois-je C'est plus fort, c'est par C'est rapport à plus cette fort, c'est par rapport à personne. cette personne. Au-delà. Wow, je Tu m'aime. vois, moi, par exemple, il y a quelques années, je viens juste de le connaître maintenant, j'ai eu une relation pendant 5 ans. Et 5 ans-là, pendant le 5 ans, mais moi, tout ça, j'étais attaché tellement à l'apparence, je voulais faire le mariage. Mais il y avait toujours de messages qui venaient toujours pour contrecarrer au niveau de la famille, au niveau de tout ça. Mais je ne comprenais pas.
Mais or que la mission de cette fille-là dans ma vie, c'était que je puisse grandir et que je puisse avoir connaissance de ma mission que je suis venu sur, de mon expérience que je suis venu sur, sur Terre de pardonner. Alors j'ai vécu des situations que la fille m'est, hein, on peut dire dans le sens négatif, trompée, le mot là. Elle faisait ça tout le temps. Mais je me dis, mais comment j'arrivais toujours à pardonner et à continuer? Tu vois? Et c'est après que je me suis dit, ah ok, donc sa mission à elle, c'était de faire ça. Voilà. Pour que je puisse connaître mon expérience là. Exactement, de pardonner. Alors il faut quelqu'un pour jouer ce rôle-là. Exactement. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut savoir que les mâles et les femmes Elle n'a pas encore compris, jusqu'à présent, elle n'avait pas compris sa mission, c'était quoi. Mais après, quand on se sépare, après, qu'est-ce que ça... quand le temps, ça s'arrête, alors il faut s'arrêter, tu vois. Alors, quand on veut continuer, après ça s'arrête, après c'est quoi? Tu verras le langage, ça veut dire, oh non, tu as abusé de moi, on exil, attends. Mais or que ta mission, c'était quoi? Tu vois les problèmes. C'est ça les grands problèmes. Si ta mission, avant d'abord de accepter l'homme que tu vois que tes yeux, il travaille, il a tout ce que tout ce que on dit là, mais rentre un peu, reste calme et pose-toi la question. Mais pourquoi c'est toi? Parce que il y a rien n'est au hasard. Tu vois, on a toujours le choix. Est-ce que vraiment j'ai une mission que je dois me soumettre dans cette mission-là? Est-ce que vraiment je dois me soumettre je dois être soumis dans sa mission? Est-ce que vraiment j'ai une mission aussi dedans? Exactement. Il faut apporter quelque chose parce que tu ne s'engages pas dans une relation. C'est ça. Beaucoup là, déjà, on est déjà mal parti au niveau de confusion de religion. Alors, la religion va venir nous dire que tu trouves une femme, tu trouves le bonheur. Oh. Tu vois? Alors, donc, pour la femme, déjà, dans la religion, on s'est déjà basé que mon bonheur se trouve chez la femme. Voilà. Et la femme, il sait que son bonheur se trouve dans son mari. Voilà. Tu vois déjà, qu'est-ce que là? Ah, lui, il travaille, donc il a l'argent, donc ça dit, c'est ça vraiment mon bonheur. Ok, beaucoup de temps, on se sent marié avec des beaux hommes. Donc la Bible a menti. Donc on est déjà mal parti. On doit commencer la repentance en fait. C'est pour toutes les bonnes questions puis changer de mentalité. Nous avons couché parce qu'il n'y a pas de faire bien. Yes. Donc voilà, la vie c'est ça. La vie c'est ça. La vie c'est ça. La vie.
de faire tout suite de faire tout suite de faire C'est le relation, le mariage, c'est au-delà de ce que nos yeux... En fait, ne restons pas juste devant. Voyons derrière tout ça. Derrière. Le moins possible, tu vois, dans ces yeux-là. Cette soumission-là, ça va se faire réellement en plein succès, quoi. Tu vois, ça va prendre vraiment... En fait, cette Bible-là, j'ai dit aux gens, c'est un livre qui est que des codes. Alors, heureux la personne qui va lire ça, pas seulement interpréter le code, mais chercher réellement la clé de la clé en fait. Code. Voilà. C'est ça. Beaucoup de gens, les femmes, les hommes, on interprète cette verset-là. Femmes sont soumises. Après, point, ça s'arrête. Voilà, c'est au-delà. Ouais. Alors, c'est très mal interprété. C'est pour ça, tu vois, des confusions, des dégâts aujourd'hui dans nos marais. Tu vas voir, au moins, moi, son bal, il va soigner. Toi, qu'est-ce que la vie dit, toi, femme, sois soumise. Mais soumission par rapport à quoi? À quoi? Beaucoup de femmes ne savent pas. Vraiment, j'ai aimé ton intervention. Je pense que prochainement, on va encore en parler des sujets. Parlons-en. Pour nous aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Bye. Voilà, là c'était l'intervention de notre frère Yannick Daoz. En fait, il a parlé, c'est quelque chose qui est au-delà des apparences. En fait, donc, femme, tu peux te marier avec un homme riche, beau, tout ça, oui, mais nous le voyons, le mariage n'est pas un gage du succès. Il y a des gens qui se sont mariés avec des riches, tout ça, mais ils sont mariés. Elles sont malheureuses dans leur couple. Vous voyez? Non, c'est ça. La grande question, c'est aussi de se connaître que soi-même. De se connaître qui tu es, en fait. De faire ce travail-là, de connaissance de soi. Parce que tu vas apporter à l'autre ce que tu as. Parce qu'on dit, la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Vous voyez? Donc, tu donneras ce que tu as, en fait. Donc, pas plus. C'est exactement ça. Quand tu te connais soi-même, et puis tu vas donner ce qui est le plus important à l'autre. Tu vas compléter en fait ce que tu es. Vous voyez? Donc c'est vraiment très important. Quand nous parlons de la soumission, il y a directement le sujet sur le mariage, sur l'union, tout ça. Ça cadre toujours dans les mêmes thèmes, quoi. Vous voyez? Donc il y a même quelqu'un qui a dit, et quand on entre dans une relation, c'est pas pour se compléter, mais c'est pour apporter sa complétude à l'autre et vice-versa. Donc, parce que nous sommes complets comme nous sommes comme ça. Quand nous apportons notre complétude, la façon d'être complet à l'autre et puis l'autre, c'est ça qui fait en fait l'union, ce qu'on appelle l'union en fait. C'est pour ça que j'aime parler plus de l'union par rapport au mariage. Parce que le mariage, comme je l'ai dit, c'est une institution humaine. Ce n'est pas une institution divine parce que ce sont les hommes qui ont créé le mariage. Voile, bague, tout cela, en fait, ce sont les principes des hommes. Qui se sont inspirés, en fait, de ce qui est divin, de ce qui est spirituel. L'institution divine, en fait, c'est l'union. C'est pour ça que je dis que vous pouvez vous marier, en fait, civilement, traditionnellement, religieusement, mais vous n'êtes pas unis. C'est ça, en fait. C'est ce que nous voyons aussi dans beaucoup de couples. Vous n'êtes pas unis. Quand je parle de l'union, je ne vois pas seulement les rapports sexuels, non. Je vois au-delà de tout ça. Au-delà de tout ça, je vois mentalement, spirituellement, parce que nous sommes d'abord âme, esprit. Nous ne sommes pas corps. Donc, il faut vraiment se poser des bonnes questions, des questions pertinentes. Voilà.
Je répète encore, le thème de ce soir était la soumission de la femme. Et puis, j'invite aux femmes de se poser cette question. Je me soumets à quoi? En quoi nous devons-nous être soumises, nous les femmes, aux hommes? Et puis les hommes, de se poser la question, si nous voulons que les femmes soient soumises à nous, quelle est cette vision-là, quelle est cette mission-là que nous devons leur apporter pour qu'elles nous propulsent en fait, qu'elles nous portent en fait leur aide pour que nous, voilà quoi, pour que nous faisons route ensemble et puis atteindre le but en fait par rapport à notre parcours sur Terre, notre mission sur Terre. Donc la question va à deux sens quoi. Donc, quand on parle de la soumission de la femme, on voit directement l'homme, parce que c'est la femme qui se soumet à l'homme, et c'est l'homme qui donne la mission, qui donne la vision à la femme, qui doit se soumettre, qui doit porter en fait cette vision, cette mission-là de l'homme. Voilà, et puis je vous signale en fait, et puis à tous mes abonnés, à tous mes amis, n'oubliez pas de vous abonner massivement et puis de liker la page. La plume de Mungu, vous pouvez taper seulement sur votre moteur de recherche sur Facebook, la plume de Mungu, vous allez voir et puis vous pouvez liker, vous allez vraiment aimer quoi. Il y a vraiment du bon. Et puis ce que nous sommes en train de dire dans cette page-là est encore plus approfondi par rapport à cela. On parle aussi de la vision chrétienne, de la soumission, de la vision juive, de la soumission de la femme, la vision musulmane aussi de la soumission de la femme, c'est vraiment très important par rapport à cela. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand nous faisons ce genre de débat, c'est par rapport aussi aux religions, parce que les religions, en fait, nous ont influencé beaucoup depuis nos naissances. Vous voyez, dans cette vision-là, que la femme soit soumise, on voit directement que la femme est esclave. Elle doit être esclave, elle doit être toujours là, sous les pieds de l'homme, tout ça, rien faire. Non, ce n'est pas ça. On doit se poser de bonnes questions. Nous ne devons pas avoir peur de se poser de bonnes questions, à renverser même les choses, parce qu'il faut avoir du discernement. En se posant de bonnes questions, on découvre la vérité, parce que la vérité, c'est en nous. Cette voix intérieure-là qu'on appelle en fait Dieu en nous va te révéler les choses. Quand tu te poses de bonnes questions, c'est pour ça que Salomon dira, autant de malins réfléchis. Quand tu réfléchis déjà, c'est déjà une prière. Voyez donc, c'est très important par rapport à cela. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pris leur temps à voir cette vidéo. Et puis, mention spéciale à mon frère Yannick Darroze et à ma soeur Mungu pour leur intervention vraiment enrichissante. Je rappelle aussi que la vidéo va rester sur mon mur et pour les gens qui n'ont pas pu avoir le temps de nous rejoindre, les verront en fait en différé sur mon mur. Merci, à nous revoir la prochaine fois. Bye bye. Que la paix, que l'amour, que la joie, que la justice vous comble. Bye bye. À bientôt.